Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon bilan culturel du mois d'avril. Vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, j'ignore à l'heure actuelle la durée de cette vidéo, mais je pense qu'on va aisément dépasser les 30 minutes, puisque j'ai 11 films à vous présenter, une série et un livre. Et parmi toutes ces œuvres, on a 3 coups de cœur qui, honnêtement, pourraient très bien figurer dans mon top 10 de l'année 2023. Alors sans plus tarder, commençons par un long métrage sorti au mois de février que j'ai pu seulement rattraper ce mois-ci puisque dans mon cinéma, donc le cinéma de Lannion, il n'était diffusé qu'à la mi-avril. Il s'agit du long métrage de Kirill Serebrennikov intitulé La femme de Tchaïkovski. La femme de Tchaïkovski s'est sortie le 15 février en salle et ça raconte l'histoire d'Antonina Miliukova qui est une jeune femme qui appartient à la bourgeoisie, à la petite bourgeoisie et qui va tomber sous le charme du compositeur Piotr Tchaïkovski. Elle va tout faire pour se rapprocher de lui, sauf que cet amour, donc il va décider de l'épouser par convenance sociale, mais même dans leur mariage, en fait, ils vont rester éloignés l'un de l'autre puisque cet amour n'est pas réciproque. Voilà, la passion qu'éprouve Antonina envers Tchaïkovski, elle est à sens unique. Ce qui fait que toute sa vie, en fait, Antonina va poursuivre cet homme qui, malgré leur proximité de par leur statut marital, eh bien, ne cherchera jamais en fait, à être proche d'elle sentimentalement et affectivement. Le film prend place dans la Russie du 19e siècle. J'adore cette ambiance-là parce qu'on a ce froid qui transit les personnages, la place importante des arts, de la littérature, de l'opéra, dans la vie mondaine notamment, les robes qui sont trop serrées autour de la taille, les soirées mondaines, vous savez, où on parle littérature et musique. Bref, moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment comme ambiance. Et c'est vrai que la photographie, en fait, donne vraiment vie, pour le coup, à cette société d'antan. La femme de Tchaïkovski, c'est le récit d'une passion dévorante, hein. Une passion à sens unique, donc. Et d'emblée, le mariage semble voué à l'échec, puisque, l'un des personnages qui le dit, le mariage a des allures d'enterrement. On voit très bien que Tchaïkovski, ce mariage, il est assez frileux à cette idée-là, mais il accepte malgré tout. Et d'ailleurs, Kirill Serebrennikov, à travers ce film, s'engage dans une piste qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, c'est la possibilité d'une homosexualité pour Tchaïkovski. Ça n'a jamais été confirmé, hein, mais donc le rejet de Tchaïkovski vis-à-vis d'Antonina serait dû à cette homosexualité. Cependant, voilà, le film se cramponne quand même au regard d'Antonina, on ne la lâche jamais, ce qui fait qu'elle, en fait, a du mal à imaginer que son mari puisse être homosexuel. Pour Antonina, si Tchaïkovski n'a jamais éprouvé de sentiments envers une femme, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore trouvé la bonne. Et cette épouse idéale, Antonina va tout faire pour l'être. Son interprète, donc, qui s'appelle Alyona Mikhailova, donc elle excelle à représenter, hein, la variation des sentiments d'Antonina, que ce soit l'amour brûlant qu'elle porte à Tchaïkovski tout au long de sa vie, qui va verser progressivement vers la haine, mais dans laquelle subsiste encore la flamme de la passion. Sur son visage, en fait, on peut voir une succession d'émotions, que ce soit de l'espoir, du bonheur, l'incompréhension, le déni, l'espoir à nouveau. Il y a tout un tas d'émotions qui la traversent. Et d'ailleurs, cette obsession envers Tchaïkovski va finir par basculer dans une sorte de psychose. En témoigne d'ailleurs les dernières minutes du film, qui sont, comment dire, une sorte de délire onirique qui ressemblerait presque à un clip de Mylène Farmer. Bref, vous l'avez compris, La femme Tchaïkovski, c'était l'une de mes plus grandes attentes de l'année. Et le film a un très gros potentiel pour figurer parmi mes favoris de l'année. On va parler d'un film sorti à la toute fin du mois de mars, un film français. Il s'agit du nouveau film de Jeanne Herris, sorti donc le 29 mars, Je verrai toujours vos visages. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. C'est un film qui s'intéresse à la justice restaurative, qui existe en France depuis 2014, et dont l'objectif est de proposer à des personnes victimes et auteurs
d'infraction, d'échanger les uns avec les autres dans des dispositifs sécurisés. Et donc ce film va nous présenter le parcours de plusieurs personnages qui vont prendre part à ce processus et la manière avec laquelle ces échanges vont leur permettre d'avancer. Dans sa démarche, Jeanne-Héry témoigne d'un grand respect envers les victimes et les auteurs qu'elle présente, puisque jamais elle ne cherche à verser en fait dans le sensationnalisme en insistant sur les événements auxquels ils ont participé, puisque ce ne sont pas ces événements en eux-mêmes qui sont au cœur de l'histoire, mais bel et bien leur effet sur les protagonistes. D'ailleurs, je verrai toujours nos visages ne va jamais plus loin que l'évocation. Les traumatismes passent par les mots, ils ne sont pas montrés à l'image, hormis pour le personnage d'Adèle Exarchopoulos. Et encore, elle, c'est vrai qu'on va montrer le traumatisme qu'elle a subi, mais la caméra reste très pudique vis-à-vis de ça. Elle ne va jamais, encore une fois, plus loin que la simple évocation à l'image. Sinon, de façon générale, en fait, l'esprit, on va dire, se charge d'imaginer l'horreur que ces personnes ont subie par la manière à laquelle ils l'évoquent. Et ces drames en fait sont si bien racontés d'ailleurs qu'il est facile de se les représenter. Moi-même avec le recul, donc ça fait un mois environ que j'ai vu le film, il y a certaines séquences que j'ai l'impression d'avoir réellement vues à l'écran, alors que simplement elles ont été évoquées par des mots, mais elles sont si bien racontées que ouais, c'est très facile en tant que spectateur de s'imaginer comment est-ce que tel événement a pu se produire. La photographie, elle est passe-partout, puisque de toute façon, Jeanne-Héry, elle n'a pas vocation à créer des plans mémorables. Au contraire, elle cherche plutôt à se faire toute petite, de vraiment se glisser auprès des personnages, d'insister sur leur expression faciale pour mettre l'humain au cœur du film. Parce que, encore une fois, c'est vraiment ces personnes qui prédominent sur la mise en scène. C'est leurs sentiments qui sont au cœur de l'œuvre. Et ouais, avec ses plans serrés sur ses visages, Jeanne-Héry rappelle bien que c'est l'humain qui est vraiment central dans son film. Ça y est, on peut passer au film sorti au mois d'avril et on attaque avec un gros morceau puisqu'il s'agit de l'une de mes attentes de l'année, un film prévu comme un diptyque, donc avec un premier long métrage sorti le 5 avril et un second qui sortira au mois de décembre. Il s'agit des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon et cette première partie qui s'intitule D'Artagnan. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Est-ce que j'ai besoin réellement de vous présenter les Trois Mousquetaires? Donc, une énième adaptation du classique d'Alexandre Dumas, qui nous présente dans l'histoire de ces Trois Mousquetaires, au service du roi. Et à cette petite troupe, on a un certain D'Artagnan, un jeune homme qui rêve de devenir mousquetaire, qui va prendre part à leur aventure. Des aventures qui vont se passer aussi bien au Louvre, à Buckingham, à La Rochelle, dans les bas-fonds de Paris, bref. Il y a énormément d'aventures dans cette histoire de cap et d'épée. Des Trois Mousquetaires, il y a un terme qui est beaucoup revenu, c'est le terme ambitieux. Moi, c'est un terme que je trouve creux. Et assez fourre-tout, parce que au fond, qu'est-ce que c'est un film ambitieux en soi? Est-ce que c'est un film qui dispose d'un budget considérable? Est-ce que c'est un film qui a d'impressionnantes scènes d'action? Est-ce que c'est un film qui, vous savez, présente des décors mais sans CGI? Est-ce que c'est un film qui a un souffle épique? Est-ce que c'est un film qui a un casting d'exception? En tout cas, si on se base sur ces différents critères, oui, on peut clairement qualifier Trois Mousquetaires comme étant un film épique. François Civil est parfait en D'Artagnan, voilà, il est plein d'assurance sous ses traits juvéniles. Et comme évoqué plus tôt d'ailleurs, le film est tourné en décor naturel, ce qui fait qu'il n'y a pas de fond vert vraiment. Et vous rajoutez à ça les costumes et le maquillage, que ce soit les peaux tannées par le soleil, les cheveux humides et tout juste, si on ne sentirait pas l'odeur à travers l'écran, tellement on s'y croit. Les scènes de combat d'ailleurs ont elles aussi vocation à être immersives, la caméra elle est au plus près des corps, elle suit constamment les mousquetaires, moi je me souviens de ce plan séquence notamment, c'est un combat dans la forêt et où la caméra va passer de mousquetaire en mousquetaire et c'est vraiment chouette parce que voilà, elle ne quitte jamais les personnages lorsqu'ils virevoltent un peu dans tous les sens avec leurs fleurets. Et c'est chouette, ça renforce vraiment le sentiment d'immersion et d'autant plus qu'on a aussi un usage de la caméra épaule qui donne vraiment le sentiment d'être partie intégrante de l'action. On part en Corée désormais avec un film sorti le 5 avril qui se prénomme About Kim So-hee. Kim So-hee est une lycéenne pleine de caractère qui, pour terminer son cursus, doit réaliser un stage dans une entreprise. Alors,
En Corée, c'est un peu différent puisque les stages sont trouvés par les écoles. C'est pas à vous de chercher spontanément, c'est vraiment l'école qui va venir vous dégoter un stage. Et en l'occurrence, Kim So-hee va intégrer une entreprise de... un call center en fait, en quelque sorte. Autrement dit, vous savez, ces centres qui reçoivent les appels. Et au fur et à mesure, en fait, son moral va se décliner tandis qu'elle travaille dans cette entreprise avec quand même un type de management plutôt oppressant. About Kim So-hee, c'est donc un film qui dénonce l'enfer des centres d'appel à travers l'expérience de la jeune Kim. Faut savoir que dans leur bureau, il y a les performances qui sont affichées au tableau pour montrer qui est-ce qui a passé le plus d'appels, qui est-ce qui a, vous savez, permis à des clients de s'abonner à nouveau, voilà, qui est-ce qui a provoqué le plus de réinscriptions. En tout cas, leurs performances sont classées et soi-disant c'est pour inciter les employés à faire leur mieux, en réalité c'est pour les plonger un peu plus dans le culte de la perfection. C'est clairement ça. Et d'ailleurs, même leurs salaires sont terminés selon leur taux de réussite. Quant aux stagiaires, elles sont simplement exploitées, hein, clairement, sous couvert d'apprentissage. Le film se divise en deux parties. La première présente la déchéance de la lycéenne, donc la déchéance de Kim au sein de cette entreprise, tandis que la seconde s'intéresse à l'enquête menée par une enquêtrice, tout simplement, pour exposer au grand jour tout ce qui se trame dans cette entreprise et de façon plus générale, en fait, la violence qui demeure dans ce monde du travail. Il y a des problèmes systémiques et c'est d'autant plus criant qu'en fait, tout le monde se renvoie la balle. Personne ne prend la responsabilité du drame qui s'est passé. Que ça soit l'école qui dégote les stages, l'entreprise qui humilie les employés, le ministère même de l'éducation, enfin... Est-ce que, finalement, si personne n'assume la responsabilité, c'est parce que la responsabilité reposerait sur tout le monde? C'est une question que le film pose. Et au cours de son enquête, en fait, l'inspectrice va amener les membres de ces différentes institutions à verbaliser les problèmes, mais des problèmes qu'on avait déjà pu observer, en fait, dans la première partie du film consacrée à Kim. Ce qui fait que moi, cette seconde partie, j'ai tendance quand même à y trouver une certaine redondance par rapport à ce qui a déjà été montré au préalable. On va passer à un coup de cœur, sorti le 12 avril, un film d'animation japonaise qui est désormais le film le plus vu en France de ce réalisateur. Il s'agit du nouveau Makoto Shinkai, Suzume. Suzume est une lycéenne qui vit dans une petite ville balnéaire du Japon et elle va faire la rencontre un jour alors qu'elle se rend à l'école d'un jeune homme. Un jeune homme qui va lui demander si elle n'a pas vu une porte. Donc Suzume va lui indiquer la direction d'anciennes ruines qui existent un peu plus loin dans la vallée. Et puis, plus de curiosité quand même, elle va décider de poursuivre ce jeune homme. Il s'avère que ce jeune homme, qui s'appelle Sota, est un étudiant qui appartient à une lignée de verrouilleurs. Les verrouilleurs, leur profession, c'est de fermer justement des portes qui sont situées dans des ruines aux quatre coins du Japon, afin d'éviter que les menaces que ces portes renferment ne se déversent sur le Japon. J'entends déjà des soupirs. Pourquoi est-ce que Suzume s'obstine à suivre un jeune homme qu'elle connaît à peine ? Bah tout simplement parce que c'est comme ça qu'une adolescente réagirait. Elle réagirait de façon impulsive, guidée par ses sentiments. Makoto Shinkai est capable justement d'insuffler du réalisme dans ses personnages, suffisamment en tout cas pour qu'on croie à l'existence de ces êtres en 2D. Il y a plusieurs séquences qui montrent ça, que ça soit d'événements qui sont changés tous les jours, une coiffure pareille qui change selon l'humeur, qui soit en bataille ou bien ordonnée, une bonne douche après une journée éprouvante ou bien encore un ventre qui rugit à l'approche des repas. Ces séquences, elles peuvent sembler anodines, mais c'est vraiment ce qui contribue à ancrer les personnages et de façon générale l'histoire dans notre monde. Ce sont des séquences qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des films et qui pourtant contribuent en fait à rendre ce personnage réel, parce que c'est comme ça le quotidien, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et le spectateur se sent plus proche des protagonistes et par conséquent développe de l'affection à leur égard. Dans Suzume, on retrouve la même recette qui a fait le succès des précédents films de Makoto Shinkai. Donc il y avait Les Enfants du Temps et il y a Your Name évidemment pour les plus connus. Donc on a une héroïne forte hein, qui avance avec entêtement, des personnages secondaires appréciables, une quête initiatique aussi à la recherche de l'être aimé, sans oublier une touche d'humour, des visuels splendides, la peur de l'abandon et évidemment
une dimension spatio-temporelle qui est quand même un élément narratif récurrent dans la filmographie de Makoto Shinkai. À l'instar de ses précédents films, Suzume, c'est l'expression d'une angoisse, celle de voir le Japon frappé par une nouvelle catastrophe. On est vraiment sur un Japon qui peine en fait à se remettre de Fukushima, mais aussi du séisme du 11 mars 2011, un séisme qui est évoqué par ailleurs dans ce film, puisque Makoto Shinkai en fait emprunte à cet événement une certaine iconographie, notamment cette fameuse scène donc cette image qu'on a vu circuler un peu partout en fait, qui là est employée dans une séquence de ce bateau qui est perché sur le toit d'une maison, voilà, qui a été emporté là par le séisme tout simplement. Et pour affronter l'horreur, Makoto Shinkai suggère de se retrouver en fait. Pour lui, cette touche d'humanité, le fait de s'aimer les uns les autres, c'est vraiment ce qui permet de soigner les cœurs endeuillés et de mieux se reconnecter à la vie. On va passer à un film qui est sorti le 12 avril, que j'ai détesté. Voilà, alors lui pour le coup il a vraiment de grandes chances de concourir dans mon flop film de l'année 2023. Il s'agit du nouveau film d'André Téchiné qui se nomme Les âmes sœurs. Rapport qualité-prix, vous trouverez jamais mieux. Ça te gêne pas que je vive ici avec David? Hein? Ça te choque pas? Jeanne, pourquoi tu fais ça? Tu sais ce qui s'est passé entre Jeanne et moi? T'es au courant de quelque chose? Ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive à se souvenir? David, le nom des forces françaises au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il va être soigné par le corps médical qui va réaliser qu'en fait, David est victime d'une amnésie totale. Dès lors, sa sœur, interprétée par Noémie Merlant, va le prendre en charge, va le soigner et Jeanne, en fait, donc, va l'emmener dans leur maison familiale des Pyrénées, donc avec un paysage quand même assez magnifique, partagé entre la montagne et les lacs. Et donc Jeanne va essayer de raviver sa mémoire, mais David, lui, n'est pas réellement décidé, on va dire, à renouer avec la personne qu'il était auparavant. Sa vie actuelle, donc sa vie après l'explosion, lui plaît bien. Et sur cette histoire, plane, parce que c'est quand même la thématique principale du récit, de l'inceste. André Téchiné, il y a quelque chose qui est récurrent dans sa filmographie, c'est qu'il va prendre un fait de société, ou bien en tout cas un événement historique, et va greffer autour une relation. En tout cas, cet événement historique va avoir des conséquences importantes sur le récit. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'engagement des forces françaises au Mali, qui va directement venir impacter la relation entre David, donc Benjamin Voisin, et Jeanne, donc sa sœur Noémie Merlant. Le film traite d'une histoire forte. Clairement, l'idée de base est forte. On parle d'inceste, c'est-à-dire que l'inceste a toujours plané sur cette relation. L'inceste a eu lieu avant même que David perde la mémoire. Mais c'est vrai que là, David, maintenant qu'il a perdu la mémoire, va découvrir cette jeune femme qui est attentionnée à son égard, qui en plus a des gestes très tactiles, parce que comme c'est elle qui s'occupe de lui, elle va changer ses bandages, elle va vraiment lui toucher le torse. Et ouais, en fait, c'est une ambiguïté naissante pour le coup, en tout cas du côté de David, même si pour le personnage de Jeanne en soi, elle c'est quelque chose qu'elle a déjà connu par le passé. Donc l'idée de base, elle est forte, clairement, cette histoire d'ambiguïté naissante, mais le film passe à côté de son sujet totalement, puisqu'il va venir se perdre dans des thématiques annexes. Je pense au personnage de la mairesse qui, vraiment, c'est un tout petit village, elle débarque à la porte et elle fait « Bonjour, je suis madame la mairesse !» Et c'est la mère, mais qui prend une place énorme dans la vie des personnes. Elle organise des fêtes d'anniversaire, elle dégote des maisons pour les gens. Enfin, j'ai du mal à voir la place qu'occupe cette mairesse dans le village, puisque on passe vraiment d'une mairesse qui fait la connaissance de nos personnages principaux, et puis après elle va leur dégoter une maison, ça va devenir la meilleure amie. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce personnage. Il y a aussi une histoire de gentrification, puisqu'il y a un projet de réhabilitation d'une vieille bâtisse en un complexe hôtelier. On a aussi le personnage du voisin Marcel qui est transgenre. Alors ça, pour le coup, c'était l'élément que j'ai préféré du film. Voilà, je trouvais son histoire assez touchante. Mais bon, on s'éparpille en fait, et pour le coup, le film vraiment va dans plein de directions différentes. Quelque chose qui est renforcé aussi par le fait que l'histoire soit séquencée. Alors, pour le coup, le découpage du scénario est bien trop apparent, puisque ça se divise en petits blocs de 25 minutes. On a 25 minutes sur les soins médicaux, 25 minutes sur la convalescence de David, on a 25 minutes sur l'amnésie, et enfin 25 minutes sur l'inceste. Ça, c'est renforcé par un fond du noir qui vraiment se met en place entre chaque partie, ce qui fait que ça accentue vraiment cette,
cette rupture entre les différentes parties. Et en termes de scénario, pour chacune de ces parties, il est hors de question d'embrayer sur une autre des thématiques qui est abordée soit plus tôt, soit par la suite. Ce qui fait que ça donne vraiment l'impression de voir plusieurs chapitres distincts et non une œuvre dans son intégralité. Voilà, c'est vraiment plein de petites parties qui sont mises les unes à la suite des autres, et à aucun moment on a le sentiment d'une histoire, d'un fil qui durait du début à la fin. D'autant plus qu'on a une mise en scène qui est plate, ce qui fait qu'en tant que spectateur, il n'y a aucune émotion, et en plus, le découpage séquencé fait que l'on s'ennuie. On va passer à un autre film sorti la même semaine, le 12 avril. Il s'agit de The Quiet Girl de Colm Bayreid. Isn't your mammy good to you? Colleen Kuhn and Colleen Kiener. Tell she'll make this god here all. Le film prend place en 1980 en Irlande et on y suit la jeune Kate, une enfant délaissée et négligée par sa famille qui, le temps des vacances d'été, va être envoyée chez des parents proches. Dans sa nouvelle maison, elle va découvrir l'affection et les valeurs d'une famille aimante. Le film est tourné en gaélique, donc en l'occurrence il s'agit d'une langue celtique, et c'est assez rare pour le souligner quand même. C'est un long métrage qui est simultanément doux mais aussi violent, puisque c'est doux, forcément. On voit cette jeune fille qui va s'épanouir dans une nouvelle famille, qui va découvrir ce qu'est réellement l'affection, avec des proches qui prennent soin d'elle, mais en parallèle de ça, on se souvient que certes, c'est super agréable en tant que spectateur, c'est un petit bonbon de voir cette jeune fille va prendre goût à la vie, mais on se souvient aussi que si elle y prend goût, c'est simplement parce que pendant autant d'années, elle a été délaissée par ses proches. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on constate qu'elle a jusqu'alors été malheureuse, et ses séquelles, elles sont visibles dans les premières interactions qu'elle a avec sa famille d'accueil. Le film est une succession de scènes du quotidien, des scènes de traite, des scènes de repas, une sortie en ville, des épluchages de légumes, enfin voilà. Ce sont vraiment des moments de vie qui s'enchaînent dans le film, mais en même temps c'est essentiel puisque c'est dans ces moments de vie-là que va naître petit à petit l'attachement entre cette petite fille et cette nouvelle famille. The Quiet Girl, c'est un long métrage tout en subtilité, puisque l'attachement en fait qui va se créer entre ces personnages, il n'est pas dit explicitement. Il passe par les non-dits. Ça passe par un regard, ça passe par un geste. En tout cas, le film, une chose est sûre, c'est qu'il est peu bavard, il y a beaucoup de silence, ce qui peut parfois sembler long aussi, parce qu'on n'est plus habitué, en fin de compte, à voir des films... avoir des films avares en dialogue. Donc oui, ça peut créer un sentiment de longueur, il faut pas se le cacher. On va passer à la semaine suivante, le 19 avril, avec un documentaire, le nouveau documentaire de Nicolas Philibert, qui s'intitule « Sur la dame ». C'est à vous le matériel ? Oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça ? C'est parce que j'ai pris un traitement très fort, que je désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon, je me prends pour Jésus, moi. La Damant, c'est un centre de jour unique en son genre, puisque c'est un bateau qui est sur la Seine et qui donc accueille en plein cœur de Paris des adultes souffrant de troubles psychiatriques. Et donc, dans ce film, Nicolas Philibert nous invite à monter à bord de la Damant et à rencontrer les patients et le personnel qui font partie intégrante de ce bateau. Alors, première chose, c'est qu'il est hors de question de suivre les personnages en dehors de la Damant. On ignore tout de leur vie à l'extérieur, et le rendez-vous, de toute façon, il est donné sur le bateau, clairement, qui est devenu d'ailleurs une bulle d'oxygène pour ces différents patients, ce qui fait que donc, le spectateur ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, et donc doit appréhender les personnalités de chacun au fur et à mesure. Il en dessine les contours petit à petit. On a tous des idées reçues sur la santé mentale. C'est indéniable, ça sert à rien de se le cacher. Aussi, Nicolas Philibert, il ne cherche pas à accuser le spectateur, hein, clairement. Au contraire, il te prend par la main et il t'emmène à la rencontre des patients d'Adamant. Il n'y a pas besoin d'une voix off, de toute manière, quand les images suffisent. Et en tant que spectateur, on se surprend aussi de la lucidité des patients qui sont bien conscients de leurs conditions et des conséquences qu'elle a sur leur vie. Nicolas Philibert s'efface, voilà. Il n'essaye pas de faire jouer la comédie à ces personnes-là ou bien d'intervenir dans la conversation. Au contraire, vraiment, il laisse exprimer, il se glisse près d'eux pour immortaliser ces moments. Et sur la dame, en fait, on retient vraiment cet élan de spontanéité, c'est-à-dire un monologue soudain, une remarque lancée au réalisateur comme ça qui va être gardée, dans le montage final, une pensée qui va traverser l'esprit et que quelqu'un va expliciter comme ça d'un coup, un air de chanson qui va être
qui va être entonné spontanément. C'est vraiment cette spontanéité qui touche, en fait. Et Nicolas Philibert, il nous donne à voir, en fait, une vision, mais tellement plus humaine du traitement des maladies psychiatriques. On va parler d'un film que j'étais voir sans savoir ce que j'allais voir. Alors, dit comme ça, ça peut paraître assez étrange, mais sachez que je vous prépare une vidéo sur les séances surprises organisées par l'AFCAE. En gros, tous les mois, les cinémas participants choisissent un film parmi des films sélectionnés par l'AFCAE, et c'est un film appelé le film coup de cœur. Et donc, tu vas au cinéma voir ce long métrage sans savoir de quoi il s'agit. Tu payes ta place, tu t'assois dans la salle, et jusqu'à ce que les premières images soient projetées, tu ignores totalement ce dont parle ce film. En l'occurrence, donc moi j'y étais, c'était le 3 avril, j'y ai découvert un long métrage qui s'intitule « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand et qui est sorti en salle 3 semaines plus tard, le 19 avril. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes ? Moi j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, c'en est touchant de pudeur. Le film se passe dans l'Hérault, au Pouget, et on y suit Dog et Miralès, deux amis d'enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent comme la majorité de leur journée dans la rue à traîner. Et donc, pour tuer le temps, Miralès a pris l'habitude de taquiner Dog, plus que de raison, sauf que leur amitié va être mise à mal lorsque une jeune fille va arriver au village. Le film se passe donc, comme je disais, dans l'Hérault, au Pouget, et j'aime beaucoup le fait qu'on suive une jeunesse campagnarde qui peine à avoir une perspective d'avenir, qui passe ses journées dans la rue à traîner ensemble, et voilà à quoi se résume en fait leur semaine. Cependant, c'est vrai que malgré une courte durée, le film dure 1h30, il y a quand même une certaine lenteur qui se dégage du long métrage, notamment parce que le film, un peu à l'instar de The Quiet Girl dont je parlais plus tôt, est une succession de scènes de vie, un repas au restaurant, un verre en terrasse, une promenade en voiture. Mais pareil, ces séquences du quotidien, en fait, elles sont essentielles parce que, au fur et à mesure, elles vont vraiment montrer la dégradation progressive de cette amitié. De ce tandem, je retiens surtout le personnage de Raphaël Quenard. De cette manière, c'est lui qui vole la vedette dans son long métrage. Et donc, lui et son phrasé atypique, son accent qui avale ses fins de phrases, au point d'en être parfois incompréhensible, ses citations littéraires qui sont dissimulées derrière un survêtement, et une banane remplie de stupéfiants. Et moi, ouais, j'aurais même tendance à qualifier de poétique presque l'aura qui se dégage dans sa façon de s'exprimer. Allez, on envoie le beau au niveau des longs métrages, il en reste encore deux à vous présenter. Le premier, c'est un long métrage sorti le 19 avril que j'ai vu en avant-première en compagnie de l'équipe du film. Il s'agit du long métrage La Dernière Reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad. Le film prend place en Algérie en 1516, lorsque le pirate Harouj Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Alors, selon la rumeur, il aurait assassiné le roi malgré l'alliance qu'ils avaient convenue. Et en fait, contre toute attente, on a une femme qui va lui tenir tête, une femme qui n'est nulle autre que la reine Zafira. Donc c'est un film qui est honnêtement entre histoire et légende, et qui suit le parcours de cette femme, son combat, que ce soit sa vie personnelle, mais aussi son combat politique, tout ce qu'elle a enduré, en tout cas, pour le bien d'Alger. La Dernière Reine, c'est un film qui déborde de passion, voilà. Alors, c'est vrai que ça se voit notamment à l'image, mais c'est évidemment aussi parce que, comme j'ai eu cette chance de rencontrer l'équipe du film, j'ai bien vu, lorsqu'ils en parlaient, la passion qui se dégage et l'envie, en fait, de raconter le destin de cette femme, donc transmise de génération en génération, voilà, toutes les générations en parlent, à tel point que cette femme forte, en fait, que rien de prédestiné à la politique, honnêtement, c'est devenue une véritable légende, voilà. Elle est interprétée dans toute sa puissance et son élégance aussi par Adila Bendimerad, qui non seulement réalise le film, mais interprète aussi la reine Zafira. Et les réalisateurs, en fait, à aucun moment ne cherchent à démêler le vrai du faux. Ce n'est pas leur objectif, simplement à présenter le destin, sublimé, sans aucun doute. Je pense que, de toute façon, à force d'être transmis de génération en génération, le destin de la reine Zafira a forcément été sublimé d'une façon ou d'une autre. Voilà. De toute façon, c'est
c'est le cas lorsque des histoires se transmettent au fil des siècles, mais en tout cas c'est un destin qui relèverait presque du romanesque, voire même d'une tragédie au théâtre. Avec ses couleurs chaudes et ses costumes brodés, certaines scènes ont vraiment des airs de tableau de maître. Visuellement c'est magnifique, je pense notamment à la composition des scènes de festivité où on a Zathira qui trône impériale au centre. De façon générale, en fait, La Dernière Reine, c'est un film qui mêle le romanesque, les combats aussi, mais également les enjeux de pouvoir, ce qui fait qu'on est face à un divertissement passionnant, vraiment, un divertissement historique passionnant sur un épisode central de l'histoire d'Alger. Et enfin, on va passer au dernier long métrage, c'est celui qui est sorti le plus récemment, sorti le 26 avril. C'était l'une de mes attentes de l'année et je n'ai pas été déçue, puisque lui aussi pourrait très bien figurer parmi mes favoris de l'année 2023. Il s'agit du nouveau film d'Ari Aster avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, Beau is Afraid. Sad about going home, Bo. Must feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. You will walk many miles. Your adventures will continue for years. Je vais vous lire la phrase qui est énoncée dans le scénario. Une seule phrase. Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l'univers semble se liguer contre lui. Pas besoin d'en savoir plus. Pourtant, lorsque vous rentrez dans la salle de cinéma, sachez que vous vous engagez pour 3 heures de film. 3 heures que, pour ma part, je n'ai pas vu passer. Alors, il y a quelque chose qui joue aussi, c'est que moi, Ari Aster, vraiment, il est en train de se glisser progressivement parmi mes réalisateurs préférés. J'avais adoré Hérédité, je suis encore traumatisée par Midsommar, voilà. J'ai vu ce film en octobre 2021, et encore aujourd'hui, il y a des plans qui persistent, qui me hantent encore maintenant, vraiment Midsommar. Pourtant, j'adore les films d'horreur, hein, mais je suis pas facilement choquée par un film d'horreur, mais Midsommar, c'est vraiment un film qui... Oh, est en traumatisme, voilà. Et dans Boys Afraid, il y a des images aussi qui, j'en suis persuadée, vont rester dans la postérité. La première heure de Boys Afraid, je le dis, c'est la meilleure chose que j'ai vue cette année pour l'instant. C'est une séquence qui fait du Ari Aster, hein, clairement. Ari Aster fait du Ari Aster. Autrement dit, disons que jusqu'à une certaine partie en fait, du film qui a lieu dans une forêt, Ari Aster fait ce qu'on attend de lui, de l'horreur. Il le fait très bien, il le fait merveilleusement bien même. Mais à partir de ce moment-là, dans la forêt, Ari Aster, il va balayer tout le ton qu'il avait installé avant et va changer radicalement de registre. Et à partir de ce moment-là, il va le faire fréquemment, c'est-à-dire qu'il va passer du tout au tout sans que le spectateur ne s'y attende. Alors, lorsque le film se termine, c'est vrai que tu prends du recul sur cette odyssée, hein, clairement de 3 heures, et tu dis que jamais t'aurais pu penser que le film partirait dans de telles directions. Voilà. À plusieurs moments, il y a ces moments de bascule, en fait, qui font basculer le film. Pardon, j'emploie les mêmes mots, mais c'est vraiment cette idée-là qui me vient à l'esprit. C'est ce truc-là où le film va vraiment basculer dans un truc totalement différent. Et j'ai un conseil pour vous, si vous vous lancez dans le visionnage de Boys Afraid, c'est que surtout ne vous habituez pas à ce qui vous est montré à l'écran, puisque à n'importe quel moment, Ari Aster va vous dire non, moi je change, je pars dans quelque chose de radicalement différent, je prends un virage à 180 degrés. D'ailleurs, à travers ce film, Ari Aster dévoile une facette insoupçonnée, hein, son caractère comique, voilà, qui aurait cru qu'Ari Aster ferait du comique. Alors, ça prête à sourire parce qu'en soi, les séquences qui sont drôles, elles sont présentes, mais dans des visions cauchemardesques, hein, clairement. C'est... L'humour à la Ari Aster, ça reste quelque chose de profondément horrifique. Même lorsqu'il essaie de faire rire, c'est à travers une imagerie d'une grande noirceur. La scène du lit, j'en dirai pas plus, mais voilà, ça pareil, c'est une image qui est traumatisante, mais qui pourtant est prête à rire. Mais en soi, c'est un rire de gêne, c'est un rire qui transmet tout ton malaise face à ce qui se passe à l'écran. Donc il y a ça, notamment des images horrifiques mais qui prêtent à rire parce que juste toi t'es gêné, mais il y a également des running gags qui interviennent toujours dans des moments inappropriés, je pense, j'adore cette séquence-là, ce running gag du danseur latino qui danse mais comme si derrière un été alors qu'il y a tout un bain de sang qui déroule autour de lui, ou bien encore le running gag du personnage de Denis Ménochet qui apparaît planté devant la fenêtre. Joaquin Phoenix est formidable, moi c'est l'un des acteurs préférés, c'est un acteur que je suis depuis 2019, en fait, depuis que j'ai commencé un peu à m'intéresser
au cinéma, on va dire. C'est moi le acteur qui a forgé ma cinéphilie pour le coup. C'est un acteur que j'ai énormément, je suis tous ses projets depuis 2019 et il est formidable dans ce rôle, voilà. Il a beau avoir la cinquantaine, dans ce rôle, il a encore son regard d'enfant, un enfant adulte, mais qui a du mal à prendre des décisions seul en fait, qui constamment s'en remet aux autres parce qu'il est démuni lorsqu'une situation le dépasse. Beau, il subit les situations, il n'en est jamais acteur. Et oui, je le cacherai pas, moi je me suis prise une grande affection pour ce personnage principal, il m'a touchée, d'autant plus que le film est de son point de vue. Le film montre vraiment le monde tel qu'il est perçu par Beau en fait. Autrement dit, à travers l'œil d'un anxieux chronique. Allez, on y est presque, il me reste deux œuvres dont je dois vous parler. Une série, donc la suite d'une série dont je vous avais parlé en 2021, il me semble. C'était dans un bilan culturel, pardon, consacré entièrement aux séries. Il s'agit de la saison 2 de Shadow and Bone. You're a symbol. I'm the Sun Summoner. Il s'agit de la saison 2 de la série Netflix qui est sortie le 16 mars et je vais vous faire le pitch rapidement de la première saison. Ça se situe dans le royaume de l'Arafka qui est maudit depuis des millénaires. Et en fait le sort de ce royaume repose sur les épaules de la jeune Alina. Alina qui est une orpheline et qui en fait a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grishas, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. En fait, il s'avère que Alina est dotée de pouvoirs elle aussi, elle est capable d'invoquer la lumière, et donc elle représenterait l'unique espoir pour ce pays, en fait, pour se débarrasser de ce fameux brouillard qui pourrit la vie des habitants. Cette deuxième saison, donc, elle adapte l'univers créé par la romancière Lise Bardugo, donc un univers qu'on appelle le Grishaverse, qui tient son nom donc, de ces fameux magiciens, et je dis bien, ça adapte un univers et non pas une œuvre précise, puisque ce n'est pas une adaptation littérale, mais une adaptation qui vient mélanger plusieurs œuvres de Lise Bardugo. Bien qu'ils s'inscrivent tous dans le même univers, hein, mais ça vient vraiment prendre des éléments de ces différents romans et ça les met tous ensemble dans une seule et même saison. Honnêtement, ça a parfois des airs de fanfiction, une fanfiction très bien écrite, hein, mais pour moi, pour avoir lu la duologie Six of Crows de Lise Bardugo, donc on a les personnages justement des Crows qui est un groupe de 6 adolescents, je crois qu'ils ont 17 ans si je ne me trompe pas, qui bref sont des braqueurs hors pair, qui sont vraiment les rois pour faire des casses, et donc ils sont intégrés à l'histoire, mais de base, eux ils sont vraiment supposés vivre des aventures annexes sans jamais rencontrer les personnages de la saga principale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment de fanfiction ouais, où on s'amuse à faire croiser des personnages qui ne sont pas supposés interagir dans les œuvres originales et qui ne sont même pas liés par une intrigue commune. Mais c'est assez rigolo parce que finalement, même si t'as lu les romans de Lise Bardugo, bah, t'es surpris finalement. Ça me rappelle un peu le même processus que mon univers Marvel, alors dans un registre moindre, hein, mais dans le sens où pareil, ça adapte en fait un univers, ça reprend des éléments de certaines œuvres, mais ça mélange tout ensemble de façon à créer des intrigues uniques. L'univers s'inspire de la Russie des Tsars, ce qui est assez original et plutôt agréable, ça change d'habitude, puisque de façon générale, les œuvres de fantasy puissent plutôt leurs inspirations dans l'imaginaire médiéval. Là, on est vraiment sur la Russie des Tsars, donc que ce soit dans les costumes, les décors, les langues, les traditions, c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir et je trouve ça assez rafraîchissant. Enfin, on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo, qui est la catégorie littéraire. On va parler d'un essai qui se nomme Vieille fille par le journaliste Marie Coq. Alors, dans cet essai, elle nous présente la figure de la vieille fille. La vieille fille, c'est quoi ? La vieille fille, c'est celle qui... Ou plutôt, c'est qui ? La vieille fille, c'est celle qui refuse la vie conjugale. Celle que l'on considère comme seule, parce qu'elle n'a ni mari, elle n'a ni enfant, et que la société ne cesse de lui mettre la pression en lui disant « Alors, il serait temps, non, d'enfanter, il serait temps de fonder une famille, pas vrai ?» Et parce qu'on va pas se le cacher, hein, honnêtement, avoir une vie rangée, autrement dit, le modèle hétéronormé, un mari, des enfants, une petite maison et le chien, ça assure une certaine tranquillité sociale. Tranquillité que la vieille fille n'a pas. Le sous-titre du livre, c'est « Vieille fille, deux points, une proposition ». Et comme son sous-titre l'indique, l'essai n'a pas vocation à imposer, en fait. Il ne cherche pas à montrer que le célibat, c'est la solution ultime
voilà, c'est exceptionnel, mais simplement à proposer, en fait, à suggérer une façon de vivre autrement. D'ailleurs, Marie Cox s'appuie sur son histoire personnelle, sur des références historiques, sur la pop culture, sur la sociologie aussi, ce qui fait qu'on a un mode de narration, comme elle puise vraiment dans sa propre histoire, qui relève à certains moments du romanesque, ça relève du roman. Et comme les pistes en fait explorées sont assez denses, elle propose énormément de choses, elle évoque beaucoup de thématiques, bah cette plume fluide, ça permet quand même de digérer plus facilement les multiples informations qu'elle propose. Comme je disais, elle balaye pas mal de thématiques, que ça soit la question de l'argent, de la désirabilité, de la propriété, et donc ces thématiques qui sont omniprésentes dans nos vies, elle les analyse au prisme du célibat. Comment est-ce que notre rapport à ces différentes thématiques change lorsqu'on est célibataire ? C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vois sur l'écran que je suis à 46 minutes de tournage, ce qui est franchement pas mal. Je sais pas combien de temps durera la vidéo, mais comme je disais, je pense qu'on va aisément dépasser la barre des 30 minutes. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je suis très heureuse parce que bah, y a beaucoup de découvertes culturelles ce mois-ci et 3 coups de cœur, ce qui n'est pas rien quand même. Donc ouais, l'année s'annonce plutôt belle en termes de découvertes culturelles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières découvertes, vos déceptions aussi, puisque ça arrive. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.